MG, partenaire conseil des entrepreneurs. Alexis, je pense que cette victoire, elle vaut cher. Hein. Après tous les moments difficiles que vous avez passés, une grande joie certainement. Oui, une grande joie. C'était pas des moments faciles, surtout dans les derniers géants. J'avais quelques difficultés techniques, mais après aussi physiques, étant donné que je suis tombé malade. Donc c'était un début d'année en géant assez difficile, bien que j'ai eu cette première victoire à Zolden. Après, on a bien travaillé derrière, on a su bien rebondir et notamment Ed a su cravacher pour produire des skis qui aujourd'hui fonctionnaient parfaitement. Vous avez cette piste vous porte chance, vous avez déjà gagné ici ce parcours. Ça a l'air d'un géant très sélectif, très difficile. Il faut vraiment pousser les skis, c'est vraiment très athlétique. Oui, je pense que c'est surtout la neige qui rendait les choses sélectives. Et puis après, la piste n'est pas forcément difficile, donc il faut prendre des risques. Il faut prendre beaucoup de risques. Et en plus de ça, voilà, avec cette neige qui ne répond pas forcément bien, qui marque, on fait des fautes. Et c'est pour ça que c'est assez sélectif aujourd'hui. Vous avez retrouvé la forme que vous voulez ? Je ne sais pas si j'ai retrouvé la forme que je veux. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que Schlanming et aujourd'hui Garmisch, ça s'est très bien passé. Il faut que je construise là-dessus et puis que je me serve de ça pour la suite. Alors on ne veut pas en parler, mais bon, ça fait quand même 100 points qui font plaisir. C'est surtout une victoire qui fait plaisir. Voilà, c'est une très belle victoire. Je suis très content de remonter sur la plus haute marche. Et maintenant, il faut que j'ai encore du travail. Il faut encore que je continue à persévérer en fonction des conditions et que je m'accroche. Un week-end important maintenant à Chamonix. Un week-end important à Chamonix. Ça va faire plaisir d'aller un peu en France et de courir un peu devant notre public.